mind you asking. I mean the chickens, you can get them whichever way, nigga. Trap turn Zaxby. I beat the pot with a passion. Beat it up, 100 acres on the mansion. I dab in the latest fashion. Eat it up, bitches need a call casting. Pot, niggas try to send a thought. That's the only way to plot. Clay Tump, corner shot. You ain't feel the pot. Salut à tous, c'est Redline, j'espère que vous allez bien, en tout cas merci, super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous montrer comment pouvoir télécharger GTA 5 RP sur GTA 5 PC. Donc comme ça vous pourrez jouer avec moi dans les prochains épisodes. Donc je vais bientôt faire une série sur GTA 5 RP, tenez-vous bien. Donc voilà, donc pour ceux qui savent pas ce que c'est GTA 5 RP, donc c'est une amélioration sur GTA 5 multijoueur sur PC parce qu'elle n'est pas encore disponible ni sur PS4 ni sur Xbox One. Donc c'est une modification de GTA 5 multijoueur sur PC où on pourra faire quelques métiers comme dans la vraie vie, tels que être mineur, être agent de police, être ambulancier ou quoi, ou plombier ou même médecin. Donc c'est vraiment cool et faire plein d'autres trucs, avoir sa propre voiture, avoir ses propres bâtiments et tout, c'est vraiment nickel. Donc voilà, donc voici ce que ça veut dire GTA 5 RP pour ceux qui ne savaient pas. Donc c'est l'abréviation de Gold Play. Donc il y a déjà quelques prérequis vraiment tout simple. Donc la première prérequis c'est d'avoir GTA 5 PC. Donc pour ceux qui ne l'ont pas, je vous invite à cliquer sur le lien qui sera en description sur Instant Gaming. Vous pourrez avoir le jeu moins cher, seulement à 26 € à la place de 60 € sur Steam ou quoi. Donc c'est vraiment bien fait. Et en deuxième ligne de description, vous aurez donc le lien pour pouvoir télécharger FiveM. Donc Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire FiveM, donc c'est tout simplement l'application qui va vous permettre de modifier GTA 5, le modifier en GTA 5 RP. Donc là vous avez le client, vérifiez bien que vous allez télécharger le logiciel client et non pas le serveur. Donc là on a client, donc vous allez cliquer sur FiveM client et là il vous montre comment pouvoir télécharger, mais moi je vais vous le montrer en vidéo. Donc là, une fois le truc téléchargé, vous allez cliquer dessus et il y aura directement FiveM qui va se lancer et il y aura l'updating qui se lance. Une fois le truc lancé, il sera fini et là vous aurez un message comme ça. Et une fois que vous aurez ça, vous aurez sur votre bureau donc l'icône FiveM, donc vous allez cliquer dessus. Donc ça c'est bien écrit FiveM is a modification from GTA 5, donc ça peut modifier GTA 5. Et là, vous aurez directement le téléchargement de FiveM qui va se lancer. Donc là, il va prendre un tout petit peu de temps. Et on se retrouve juste après. L'installation, elle est presque finie. Donc, il reste plus que quelques pourcents. Et c'est bon. Donc, une fois le téléchargement fini, vous aurez un message comme ceci. Mais ne vous inquiétez surtout pas, c'est positif. Donc, une fois que vous allez faire ça, ils vont un petit peu vérifier GTA 5 s'il est bien et s'il est correct. Donc là, vous aurez pas comme moi, vous aurez un fichier qui va s'ouvrir et qui va vous demander le fichier de GTA 5. Donc si vous avez acheté GTA 5 sur Social Club ou sur Instant Gaming, vous devez aller sur GTA 5, ouvrir l'emplacement du fichier et ils vont vous demander l'emplacement du fichier. Donc vous allez cliquer sur Programme, Rockstar Games, GTA 5. Mais si vous avez acheté GTA 5 sur Steam, donc vous allez sur ce PC, vous allez sur Documents, vous allez sur Steam, bah, voilà. Donc sur Steam c'est My Games, donc moi j'ai changé le nom du fichier comme un con, donc c'est My Games et là vous aurez tous les jeux de Steam et vous allez cliquer sur GTA 5 et là vous aurez les trucs et vous pouvez enfin choisir le GTA 5. Et là ils sont en train de vérifier si les DLC sont corrects, si les bâtiments, les murs, donc il n'y a pas de mode et tout sur GTA 5 multijoueur et non pas le GTA 5 mode histoire. Donc une fois on se retrouve une fois le téléchargement terminé. Donc voilà, une fois que c'est fait, vous aurez donc ceci. Et là, ils vont vous dire de rajouter quelques modifications à GTA 5. Donc vous devez absolument accepter ça. Et vous allez cliquer sur oui. Et là, il y a un deuxième téléchargement qui va se lancer. Hein, je retrouve juste après. Donc voilà, une fois que le téléchargement finit et une fois que vous allez télécharger FiveM, vous n'avez plus qu'à cliquer sur FiveM. Et là, il y a GTA 5 qui démarre, mais c'est pas vraiment GTA 5, c'est juste FiveM qui a l'interface de GTA 5. Et là, vous aurez FiveM qui sera bel et bien téléchargé. Et là, vous n'aurez plus qu'à attendre comme c'est écrit. Donc voilà, une fois que FiveM sera ouvert, il y aura écrit genre là Welcome to FiveM, de Pâques, de futur. Là on aura l'homme, donc c'est FiveM qui nous écrit tout ça, donc les bugs c'est fixé et tout. Là on a les paramètres, donc ce qu'on peut modifier dans les paramètres c'est juste notre nom, donc là je vais mettre Redline. Donc le nom qui pourra s'afficher dans les serveurs. Et là on a tous les serveurs qui sont disponibles. Ils sont en train de charger. Donc là on a tous les serveurs disponibles. Donc c'est nickel. Donc là on a le ping du serveur, donc plus le ping est élevé, plus le serveur il bug des fois. Et là on a la possibilité de voir combien de joueurs il y a sur le serveur et combien de possibilités de mettre de gens sur le serveur. Donc là c'est juste 24 maximum, donc peut-être ça va changer au fil du temps, mais bon. Donc voilà, on va par exemple essayer de rejoindre ce serveur. Et là on aura dans le donc les contenus. Et là on va directement aller sur le serveur, donc là ma pelle est en train de se charger et on se retrouve juste une fois qu'elle se charge. Donc voilà, on a enfin pu rejoindre le serveur, donc là il y a le centre-ville là-bas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit like et de vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, ciao.